Salut Baltringue, t'écoutes Skyrock sur la chaîne de Slide. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles, putain. Eh bien, on va retrouver le clash de ce soir. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. Ouais, c'est tout. Le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Cédric et Romano. Cédric. Cédric s'est fait beau gosse pour le clash, s'est fait une coupe. Ah ouais, t'as le coiffeur aujourd'hui. Coupe de cheveux, tout ça, tranquille. Ah, beau gosse, pas mal. Toujours, merci. Là, tu vois, je la trouve mieux cette coupe. L'autre, c'est la coupe bordel un peu. Difficile de faire pire. Encore un peu trop. Ah putain, j'avais même pas vu moi. Bah ouais, Marie, tu fais pas attention. Bah, je comprends que tu ne regardes pas le séducteur. Ah, c'est vrai que c'est moins pire. Même du fou l'avait remarqué. C'est moins pire, c'est pas dire que c'est beau, mais c'est moins pire. C'est moins pire. Mais c'est très bien comme ça. Le problème, c'est que la gueule en dessous n'a pas changé. Non, ça. Cédric s'est fait beau gosse, il a vraiment envie de gagner ce soir. Ah bah, toujours. Tiens, je vous ai demandé tout à l'heure où est-ce que vous vouliez qu'on aille pour le clash. On a fait des propositions. Dans le nord, pour Imanouche des Yvelines. Ah, en région parisienne, chez Imanouche, on aime le nord. Vous êtes aimés les nordistes, hein. Pas que Paris Manouche, hein. Appelez les ch'tis, ça c'est le message du Normand. En Ile-de-France pour Zoo, 16 ans, appelez dans le 02. N'est pas loin des ch'tis dans le 02, hein. Pour Leitmotiv, Antibes dans le 06 pour Adèle. Appelez en Normandie pour l'Albanais, la Bourgogne, parce qu'ils ont un accent marrant. C'est le message de Tim et de Alexia du 71. La Bourgogne. Salut la Bourgogne. Salut la Bourgogne. Allez en Franche-Comté pour Val. Franche-Comté. Du 70. Talassoum, la Franche-Comté encore. Le Nord direct pour Jules. C'est vrai qu'en Franche-Comté, ils ont un accent, hein. En Alsace, ils sont fous, nous dit Gwendo. Ah, les Alsaciens, bonjour. J'ai dit, t'as des fous partout, hein, si tu regardes bien. Ah, vénère chez les Bretons, pour Glo-Clem-Clem. La Bretagne, le Nord. Ah, vous êtes plus dans le Nord de la France, hein. Le 93, pour... on avait fait des clashs de la drague dans le 93, c'est marrant. Ouais. On en a fait partout, hein. La Loire, Saint-Etienne, Diffoul. Merci, Liam. Le Sud-Ouest. Ah, l'accent du Sud-Ouest est marrant aussi. Il parle comme... Ah, c'était ça l'accent du Sud-Ouest pour toi? C'est un chinois. L'accent du Sud-Ouest, il parle comme les Marseillais, mais plus vite. Non, ouais, c'est pas le même accent. Pas, ouais, tout, à fait. Pas tout à fait pareil. Non, vous êtes un peu plus speed dans le Sud-Ouest, c'est je trouve. Ouais, ils sont un peu plus speed. Bon, alors on va aller marquer le... On va aller marquer. Oh, l'ovalie. Oui. Oh, il y a un coup de tampon. On va mettre le pédalotti. On met vite le pédalotti. Ah, il s'est fait un plaque boulet. Oh là, il a pris un plaquage. Oh là là, il s'est fait plaquer les couilles. Oh là là. C'est un peu plus speed. Il s'est fait déchirer l'oreille. Alors, le clash avec deux méthodes. Méthode Cédric. Ouais, bah aujourd'hui, j'ai vu une voyante. Et figurez-vous qu'elle m'a dit que j'allais niquer la femme de mon voisin. Heureusement qu'on a parlé de voyance ce matin. Ah, dans le morning. C'est ça, je me demandais d'où ça venait. Ouais, ça vient du morning, ça. Moi, je m'inspire du morning. Ah bah oui, heureusement. Et t'imagines, si un jour on fait plus les émissions, comment tu fais pour faire le clash de la drague? Bah, je m'inspirais d'autres trucs, t'inquiète. Hein, ouais. De ma vie de tous les jours. Romano, ta méthode, c'est quoi? Alors moi, c'est ma méthode. Ce soir, je faisais un peu le bilan des meufs que j'avais niquées dans le quartier. Et je me suis rendu compte que celle-là, je l'avais pas encore niquée. Donc ce soir, c'est son tour. En fait, c'est le tireur fou du quartier. Ouais, c'est ça, ouais. Le tringleur. Romano, c'est le Tringleur, il y a un but là, je crois. But de Rennes. Rennes, tiens, qui marque son. Rennes, ouais. Son un but en plus sur 1-0. Son terrain, ce qui arrive pas souvent. 1-0 face au Gazélec d'Ajaccio. Ouais. C'est le match de ce soir. C'est qui? C'est Grosziki qui a marqué? C'est qui? C'est Grosziki qui a marqué. Salut Grosziki. C'est Grosziki. Bravo à toi Grosziki. Je t'embrasse. Très beau but d'ailleurs. Joli son but. Ouais. Et c'est parti. C'est parti. On a. Allez, vas-y. Donc. Alors, on va où là? Une première famille. Ah. Chez Olivier. Olivier, il est dans quelle région, Olivier? Il est dans le 60. On est donc en Picardie. C'est ça. Ceux qui voulaient qu'on appelle en Picardie, vous allez être contents. On se rapproche du nord là. C'est ça, ouais. On est entre le nord et la région parisienne. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, est-ce qu'Olivier est là, s'il vous plaît? Ouais, je vais aller voir, il dort, mais. Ah, faut le réveiller. Oui, allô? Ouais, Olivier, comment ça va? C'est qui, hein? Eh ben, c'est Michel, un de tes voisins. Je t'appelais parce que j'ai vu ma voyante, là, aujourd'hui, et elle m'a prédit que j'allais faire l'amour avec ta femme, ce soir. Allô? Oui. Ouais, donc je voulais venir faire l'amour à ta femme, ce soir. C'est qui, là? Bah, c'est Michel. Michel. Michel le beau gosse. Ah ouais, ça fait rire tout le monde, ça, c'est sûr. C'est quoi, je te jure que ma voyante, elle m'a dit que j'allais me taper ta femme, ce soir. Non, mais c'est qui, là? Bah, je viens de te dire, c'est Michel. J'habite pas très loin de chez toi, je peux être là dans 5 minutes si tu veux. Hein. Avant que t'ailles te recoucher, je viens, je m'occupe de ta femme. Et puis, bah, tranquille, quoi, tout se passera bien. Redis-lui Michel le beau gosse. C'est. Au cas où tu vois pas qui je suis Michel le beau gosse. Allô? Olivier? Olivier? Bah, passe-moi ta femme si tu veux.
Voilà. Allô. C'est Michel le beau gosse. Ah putain. Hey, en tout cas, Cédric, ce qui est bien, c'est que tu amènes du bonheur aux familles. T'as vu un peu? Tu amènes du bonheur. Et homme qui rit à moitié dans ton lit, hein. Ouais, ouais, c'est joie, ça. Ouais. Exactement, homme qui rit. Olivier, c'est un échec complet. C'est pas un échec complet. Non, il a un échec cuisant. Mec, il a pas dit. Mais c'est pas le clash du rire. C'est vrai, on aurait fait le clash du rire ou de la rigolade. Bah, Cédric, t'auras peut-être gagné. Ah bah ouais. Ouais, mais comme je te le disais tout à l'heure, homme qui rit à moitié dans ton lit. Ouais, c'est ça, voilà. Eh bien, il vient de raccrocher. Il vient de raccrocher. Oui, bon. J'ai entendu pup pup. Alors, ah ouais, raccroché. Alors gros naze, que veux-tu faire? Ta gueule, toi, du coup. Romano, à toi maintenant. Tu prends pas un rappel, tu ne veux rien. Passe au lune. Non, tu n'as pas le rappel. Je vous donnerai un deuxième tour. T'as donc, déjà fait pire, hein, tu sais. Tiens, on nous dit d'appeler en Corse. Qui veut aller en Corse? Romano, tu veux qu'on appelle en Corse tout de suite? Non, je vais aller avec toi, Cédric. Ah non, je t'ai mis dans le 59, toi, ça te va? Ah non. Allô, allô. Christophe. Christophe. Allô. Ouais, c'est Christophe. Allô. Ouais. Ouais. Comment tu vas, toi? Ça va. Ça va, ça va. Ta petite femme aussi? Ouais. Ouais. Je voulais vous souhaiter une bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Ouais. Ouais. Dis donc, j'étais en train de faire le bilan justement de l'année 2015. Là, je regardais un peu toutes les gonzesses que j'avais sautées. Et je me suis rendu compte que la tienne n'y avait pas encore eu droit. Ouais. Donc je vais passer à la baraque dans 5-10 minutes là. Ouais. Ouais. Tu seras là ou pas, toi? Pas de problème. Pas de problème. Tu seras là ou pas? Pas de problème. Pas de problème. Mais pas de problème, alors j'arrive très vite. Ouais. Ok, et je vais m'occuper de ta femme. D'accord. Et de toi aussi, mon coquin. Ok. Il y en aura pour tout le monde. Eh bien, je t'embrasse, à tout de suite. Allez, viens tout de suite. Il va rentrer dans tous les trous. Ah oui, tous les trous. Est-ce que. Pas tout seul. Il hein. y a d'autres personnes dans la famille? Il y a pas tout seul. Il y a pas, y a je pas, vais... je sais pas, un tonton, une tata qui serait dans le coin? Non. Non, non. Non. En tout cas, ne viens pas tout seul. Il a très envie. Il est très excité. Eh ben, complètement. Bip, bip. Et un serrage pour Romano, on nous dit là sur SMS. Et en voilà. Effet, un et serrage voilà. pour Romano. Et c'est déjà fait. Et voilà. Heureusement je que crois que le clash est plié. Ah bah non, il y a un deuxième tour. heureusement que j'ai dit qu'il y avait un deuxième tour. Le clash, je crois. Ah bah oui. Et je ouais. crois que le clash est déjà plié. Les non, amis. Non, il y a jamais. La jamais team fini. Romano, allô, préparez bien. Déjà les votes. La team le belge, préparez les votes pour Romano également. Ah non, non, non. Ça ne va pas être possible, ça. Je crois que ce soir, c'est plié l'histoire. Laisse-toi pas impressionner, c'est vrai. Jamais, t'es malade, ouais. quoi. Alors, il parlait comme ça, lui. Ben oui, ouais. un peu, ouais. Imaginez si on. Je sais pas, on se met à parler comme ça toute la soirée. Ouais. Alors, Cédric, on va faire le clash. Allez, vas-y. C'est parti. Allez, vas-y. Allez. Ouais. C'est parti, chez qui qu'on va qui... On va chez Michel. T'as un problème Michel. Avec tes fiches, Samy? Non, non, non. Ah oui, vous avez demandé trop de. Oui, on a. C'est vrai qu'ils me refont avec les départements, je fais. Oui, parce qu'on fait les régions que vous nous avez demandées. Hein, ah, oui. Moi, je vous dis, le clash est bon. Allez. Plié le truc. Non, jamais de la vie. Arrête, on sait jamais. Allô. Allô. Allô, Michel. Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? Salut, qui c'est? Eh ben, c'est un de tes voisins. Eh ben. Dis-moi, je t'appelais parce que j'étais voir ma voyante aujourd'hui et en fait, elle m'a prédit que j'allais me taper ta femme ce soir. Ouais, bah, c'est bien. Bah, donc, je voulais passer à la maison là parce qu'il se fait un peu tard, hein. Ouais, bah bien. Bah je peux venir tout de suite. Ouais, ouais. Eh bah nickel, ça tombe bien. Je suis chaud, hein, je te préviens, mon pote. Hein. Ouais, ouais. Eh bah préviens ta femme, dis-lui que j'arrive et que je vais m'occuper d'elle. Mais salut, pauvre con. A tout de suite, oh. mon chéri. Oh, voilà. Gâché l'appel, mais c'est bien sinon. Oh, non, mais... c'est pas gâché, m'a dit. Non, mais c'est dommage que ça se termine par un salut, pauvre con. Ça, vraiment, c'est bon, dommage. Je crois, moi, que c'est plié. Comment, non, non, ah, non, c'est pas Cédric plié. A serré, ah, Romano. Un rappel. D'ailleurs, je voulais vous féliciter tous les deux parce que un serrage pour Romano, un serrage pour Cédric, les deux à la suite. Merci. Bravo, ça, c'est du love. C'est du love. Bah ouais, le mec, love t'as vu. To love. Et Cédric, vous avez remarqué, il démarre toutes ses phrases souvent par eh ben. Bah, ça dépend. Eh ben. Alors, eh ben, Romano. Eh ben. Il a fait le mouton. Non, ta dernière chance, tout de suite. Gérard. Pour serrer, la dernière de la soirée. Après, ça vote. Attends un peu, Julien. Non, c'est Julien là, c'est qui vote déjà. Attends. Régler l'histoire. C'est rien réglé du tout. Gros. Allô, Gérard. Oui, c'est qui? Hein, comment tu vas, Gérard? C'est Jean-Louis, là, pareil. Ouais, bon, t'arrêtes tes conneries, espèce de merde. Si t'as la gueule bourrée, j'y peux rien. Bonne année! Va dormir, connard. Ah, mais non, je vais bien niquer ta femme. Ouais. Ouais, bah, j'arrive dans 5 minutes. Ouais, tu peux venir, saute la tienne avant, essaye, espèce d'appuissante buveux de connard. Appuissante buveux. Hey, ma biloute, je vais niquer ta femme. Pas sûr. Allô? Ah, tu parles plus, t'as peur? Ah, votre correspondant vous a mis en attente. Eh bien, j'attends. Veuillez patienter. Ah, attention, il m'a dit que je pouvais venir. Hein. Ça l'échec, espèce de buveux, de connard de pédé. Il y a déjà un serrage. Il n'y a pas de serrage. Bah, bien sûr que si. Il m'a dit de venir et de baiser. Je baise ma femme avant et après je baise la sienne. Bien sûr. De toute façon, j'ai droit à un rappel. Donc votre correspondant vous a mis en attente. T'en as eu un? Veuillez patienter. Ah, il n'en a pas eu. Bah, j'ai pas le droit à un rappel. Non, pour l'instant, on patiente.
Bon, on est. Ouais, parce que le mec, il avait qu'à en prendre un. Ouais, il avait qu'à en prendre un, ce con. Bon, alors, vous votez dès maintenant et nous, on fait un rappel. Mais le rappel ne compte pas dans le clash. Hein. Allez, je vas-y. Précise. Vous votez tout de suite pour Cédric, pour Romano. Romano, une invitation, un serrage. Eh ouais. Eh ben, c'est magique, il faut voter Romano. Ah. Et moi, un serrage. Pour ça, votez Cédric, c'est eux des Russes. On fête le week-end en votant Romano. Et ce soir, on est allé dans le 60, la Picardie. On est allé dans le Nord, on est allé en région parisienne. Et on continuera notre tour de France du clash de la drague dès lundi. Mais là, tout de suite, le rappel qui compte pas. Et donc, vous votez jusqu'à. Elle est quoi, 22h25 jusqu'à 30. Allez. Premier serrage de ouf sur le premier appel. Et là, à l'instant, une invitation magnifique, même un serrage avec Gérard. Est-ce que tu crois que c'est plié, Romano? Bah, j'espère qu'on va plier le Belge. Il aime trop dire ça depuis tout à l'heure. Gérard. Alors, juste Gérard, pour le plaisir. Un puissant buveux. J'avais jamais entendu ça comme insulte. Non, moi non plus. C'est une insulte ch'ti, ça. C'est ah ça, ouais. Ça veut dire quoi? Tiens, Cédric, demande à ta voyante si elle prédit comme Joe de Poitiers 80% de voix pour Romano. Non, m'a prévu du coup. Allez, votez Romano. Votez Cédric. Je vois vos messages qui défilent. La voyante a prédit que j'allais gagner ce soir, donc je compte sur vos votes. Bon, je crois que tu t'es bien fait carotte. Non, Gérard. Non. Bon, bah Gérard, tant pis. Allô Gérard. Ouais, parle, Tijotte. Votre correspondant vous a mis en attente. Bon, bah merci, Gérard. Salut. Ah, essaie de s'en servir de son attente. Et bah, pour les résultats du clash, veuillez patienter. J'ai pris l'option, je l'utilise. Salut, hein. Bon, où sont mes résultats? Où il a du punching ball dans la tronche. Ils sont là. Les résultats du clash de ce soir. Vous êtes prêts? Allez, vas-y. Donne la victoire à. Est-ce que c'est serré au moins? Non. Hein? Ah bah non, c'est pas serré. Bah, il y a un serrage partout. Est-ce que le gagnant a le droit de Est-ce que le gagnant, une fois déguisé en Rocky, pourra taper un peu son adversaire? Oui. Ah, viens, mais uniquement sur le visage. Oui, ça ne peut que l'arranger. Non, pas sur le visage. Ah non. Le gagnant avec 70% des voix est Romano. De toute façon, depuis le début, je vous avais dit que c'était plié. Bravo Romano. Je peux pas me la rajouter, mais je vous avais dit dès le début quand même. Si tu te la racontes, je trouve. Ah, merci en tout cas à toute ma team Romano. Ah, ma team merci Lebel. Également à la team Le Belge qui a voté pour moi ce soir. Ah non. Je vous embrasse pour une fois les gars et les filles, vous avez gagné en votant pour moi. Eh bien, prenez une bonne résolution en 2016. Votez Romano dès lundi. Et dans un instant, Romano, je te remets officiellement en direct sur Skyrock ta tenue de boxeur. Du coup, le boxeur plutôt. Parce qu'une tenue de boxeur, ça serait une muselière et une laisse peut-être, je sais pas.